Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtuo, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 Online sur Old Gen pour faire part d'une vidéo vraiment super importante. Alors merci de bien vouloir l'écouter, la partager un maximum de fois. Tout à l'heure j'ai sorti un glitch pour avoir le casque à bière et pour avoir ce fameux casque, il fallait changer l'apparence de son personnage. Moi j'avais réalisé le glitch et je n'avais eu aucun problème, mais suite aux nombreux messages de mes abonnés disant qu'ils avaient perdu des tenues après avoir réalisé ce glitch, je me sens obligé de m'excuser et de faire une vidéo pour vous informer. Il ne faut surtout pas réaliser le glitch pour changer l'apparence de votre personnage, que ce soit sur Xbox 360, PS3, PS4 ou même Xbox One. Ne réalisez pas ce glitch, sinon vous risquez de perdre des tenues buggées ou glitchées que vous avez pu sauvegarder. Je m'excuse encore une nouvelle fois pour toutes les personnes qui ont pu perdre leur tenue à cause de moi. Je suis vraiment désolé. Et donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo d'information vous aura vraiment informé. Ne réalisez pas ce glitch, partagez cette vidéo un maximum de fois. Je vous remercie pour pas que vos amis ou d'autres personnes tombent dans le bug, etc. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo qui arrivera dans la soirée. Allez, ciao, bye bye tout le monde. Stop the body rock. Don't stop the body rock.